Mardi matin, oui, j'ouvre ce vlog en matinée. L'avantage de se lever à 6h15. Je me lève en ce moment à 6h, entre 6h et 6h20, naturellement. C'est beau. Après, je suis explosée. C'est sûr que sur les coups de 3h, le gros coup de barre. Et après, le soir, devant la série, ça pique du nez. J'ai remis ma petite tenue, la nouvelle tenue tunique, en fait, que j'ai achetée. Là, il y a des épaulettes. C'est de l'eau. Il y avait des toutes petites taches, donc dans le doute, ah bah là aussi. Dans le doute, j'ai mis une petite lingette, très douce, mais ce côté bleu lavande, c'est ravissant. Alors, aujourd'hui, j'ai pas été encore acheter les chaussures, donc j'irai peut-être cet après-midi. Ce soir, nous allons au restaurant, on va être quatre, je crois qu'on va au Buffalo. Il n'y a pas trop le choix parce que tous les autres restos sont pris d'assaut. Tant mieux, j'ai envie de vous dire. Rendez-vous encore, quelques petits rendez-vous pro à faire. Voilà, bah, je vous reprends que maintenant parce que je vous ai épargné tout ce qui était un petit peu coup de speed au niveau des fournisseurs et de la première box parce que je voulais être certaine que tous les envois avaient été faits, enfin eux m'avaient envoyé pour que moi après, derrière, il faut que je fasse toutes les boxes. Je veux absolument qu'elles partent au plus tard, là aujourd'hui nous sommes mardi, au plus tard... samedi matin, pour que début de semaine, enfin vous les ayez rapidement, mais je ne pouvais pas vous les envoyer tant que j'avais pas les fournisseurs, mais pour que les fournisseurs me les envoient, il fallait que je puisse les payer, et pour que je puisse les payer, il fallait qu'Ulule me verse l'argent. Voilà, vous l'aurez compris, c'est bon, j'ai eu tout le monde, et là je vais aller à la poste parce que finalement il faut que je trouve, vous savez les petites pochettes qu'on va mettre sur la box pour là où il y aura les bordereaux d'envoi, pour protéger quand même si jamais il y a une baie de la pluie et tout ça, et je vais en profiter pour aller acheter quelques petites choses papeterie que j'ai pas eu le temps de faire, vous avez dit nécessaire de bureau notamment. Les chaussures, à la limite, si. Ouais, je vais voir. Peut-être passer aussi aux chaussures. Voilà, donc j'ai bouclé ce que j'avais à faire. Je fais ça et après je reprends le boulot. Je suis restée en plein cagnard pendant, allez, 25 minutes. Si je me suis pas tapé une insolation, on est bon. Bon, ben voilà, j'en ai profité pour acheter quelques fournitures et surtout ça. Hein, parce que si je dois attendre encore. Avant de faire les bordereaux, ça va prendre du retard. J'ai repris ces carnets. Donc là, il y a format A4 et format, je crois que c'est A5. Ouais, et ils sont vraiment bien. Vous voyez, petits blocs sous forme de blocs. Ça, indispensable. J'espère, à vue d'œil, ça m'a l'air d'être ça, mais les agrafes. J'ai repris ça. Il est super bien. Château Beau Savon. Il sent bon. Il est beau. Je le mets en bas. Et puis, bah, des crayons. Des petits bics. Je les ai comptés, j'ai fait des petits tas, 70 bordereaux, donc ça va quand même bien m'avancer, et puis je vais en commander d'autres. Hein. Je suis désolée pour le bruit. Il y a des travaux en ce moment chez moi, partout, à droite, à gauche, en bas, en haut. Ouh. Je suis en train de faire tous les bordereaux d'envoi, même si j'ai pas encore reçu tous les paquets, mais au moins, comme ça, je ferai pas tout dans le rush. Et puis, il faut que surtout que je me familiarise avec ce logiciel Colissimo. Je me suis créé un compte pro. Il est plutôt bien fait, il est assez intuitif et ça me fait vraiment bizarre de voir. J'ai tout réécrit, toutes vos adresses à la main, mais j'ai aussi un listing sur Excel. Mais de voir que vraiment, alors là, de toute la France, je vais envoyer mes petites boxes. Belgique également, on m'a demandé si une personne de Martinique, mais c'est pas possible, 14 euros de frais de port. Un petit peu beaucoup tout ça, mais ouais, il y en a même de Corse. Alors la Corse, je vais regarder, c'est possible, faut voir ce qui est possible de faire. Mais vous voyez, j'en ai pour les frais d'envoi 8 euros par box, donc de frais, c'est cher. C'est pour ça que moi je vous ai mis les frais de port à 2 euros. Sinon, tout à l'heure, je pense que je vais me changer, je me sens toute poisse, j'ai vraiment eu très chaud. Et je commence à avoir un peu mal à la tête, je vous ai dit, j'ai trop tapé quand j'attendais devant la poste. Et oui, mon agrafeuse qui est toute belle, hein, ça ne correspond pas. Elles sont trop grandes les agrafes, je l'ai gardée et puis c'est pas grave. Quitte à reprendre une deuxième agrafeuse qui soit plus adaptée. On n'a jamais trop d'agrafeuses, alors moi je le dis. Hein. Bon, je vous laisse parce que 4h46, Eric va pas tarder. On a encore des choses à faire, j'aimerais m'avancer le plus possible. Après me changer parce que 19h pile, c'est 19h pile au resto. Allez hop, 6h40. Voilà, là j'ai remis ma robe. Hein. Je pense que je vais me mettre du vernis. J'ai acheté un vernis
quand je suis allée à la pharmacie, c'était hier ou avant-hier, des tout petits, c'est les Manava, je crois. Tout petit flacon, 4 euros. Et c'est la couleur que j'adore mettre l'été. Et j'ai l'impression que c'est vraiment quasiment la même couleur que ça. Ouais, j'ai 20 minutes, je pense que ça va être bon. C'est celui-ci, Goa. Ravissant. Arrête, je vais le mettre dehors, sinon ça pue. Ne faites pas attention, ce mur va disparaître dans quelques jours. Non, peut-être quelques semaines. Hein. Tout ça va être abattu. Tu as montré les chaussures? C'est des escarpins. Non, c'est pas escarpins. Escarpins sandales. Voilà, très chic. Bon, on y va. Nous sommes attendus. Ah là là, ce masque, ça va pas. T'as conscience que ça me va pas le masque, Céline. T'as des gens à qui ça va super bien. Moi, c'est pas possible. Que t'es belle. Beaucoup plus ouvert après une pilote. Bah, ok, bah, je te redemanderai tout ça là. Retrouve le lendemain avec une nouvelle robe. Je vous montre toute ma garde. Elle est super belle celle-là aussi. Oh, où est-ce que je l'ai eue? Je sais plus du tout. Bref, je vais chez ma maman pour l'aider, comme je vous avais dit. J'avais dit que j'allais à 11h, il est 10h56. Super. Après, j'ai mon coaching pour mon site internet à 14h. Après, il faut que j'aille chercher les commandes pour ma box. D'ailleurs, dernier jour. Là, vous verrez le vlog, on est 9, donc vous avez encore toute la journée du 10 et après pour avoir la box de juin. Et j'ai d'autres choses à faire aujourd'hui. Bref, c'est grosse journée. C'est parti. Il fait 48 000 dehors. Maman, dis-moi, est-ce que tu as déjà goûté McDo? Oh, il y a très longtemps. C'est pas mon. Tu veux qu'on teste? Comment? Tu veux tester? Je vais chercher McDo. Ah bah faut que tu te fasses une... Oh bah je veux bien. Ok, pas trop parce que t'aimes pas. Ah non, non. Que des choses... Ah non, mais je veux bien tester. Que des choses quoi? Je me souviens, il y a plusieurs années, j'avais pris des genres de petits toasts. Ah, croque McDo, ça n'existe plus. Ah, non, ça n'existe plus. D'accord. Fais-moi confiance. Quelque chose de léger. Oui. Ok. Bon, je vais chercher ça, ok? Alors, bon, bah il n'y a plus de potatoes. Tu connais, toi, Yves? McDo? Oui. Ça me dit quelque chose. Bah, tu vas goûter. Maman, t'es prête? Je sais que toi, oui, t'aurais adoré les potatoes. Ah non, il n'y a pas d'assiette, c'est McDo, maman. Non, on n'a pas à faire réchauffer. Ah oui, tu connais vraiment pas McDo. Hein. J'ai pris des macroustis. Bah, alors, mets une assiette. Ça commence. Non, mais je suis obligée. Mets une assiette. Je leur ai pris des petites cheese et puis les macroustiques ont l'air bons et puis je leur ai pris quoi? Ah, pour goûter des petits nuggets. Voilà, moi j'ai pas faim du tout. Le midi en plus, là j'ai pas faim, je vous dis, moi c'est... Je suis salade à fond, c'était histoire de... Alors, t'en penses quoi Yves? Ça c'est très bon. Ouais. Mais ça c'est encore mieux. C'est un cheeseburger. T'as jamais mangé ça, hein? Il y a très longtemps. C'est vrai qu'elles ont l'air bonnes, les petites patates. Maman, déjà les radis, elle a pas goûté encore. C'est très bon. Viens t'asseoir, maman. Non, mais elle a été chercher genre des quiches et tout. Elle croit qu'il n'y aura pas assez. Non. Regarde, je sens une petite salade. Il n'y aura pas besoin de ta salade et de ton truc. Hein, mais bon, oh, j'y crois pas, maman. Bon, régale-toi. Remarque, elle est belle, ta tarte. C'est Thérèse d'hier? Oui. Oh, tarte poireau? Non. Quoi, non? Asperge. Bon, c'est l'heure de la dégustation. Hein. On n'attend pas... On n'attend pas Patrick, non. Oh, Eric, oui. On l'attend pas. Bah, t'inquiète, mais non, t'inquiète. Maman, ça sent chaud. Alors? C'est bon, hein? Et je suis une... comment on va dire? Adapte, connaisseuse des croquettes. Ah oui, c'est vrai que ton papy, du coup. Oh là là. Ah. Très bonne. Voyez, à tout âge. Et ça? Alors ça, c'est un sandwich cheeseburger. Et alors, comment t'as fait? Comment ça? T'as commandé avant? Monsieur le Béto, je l'ai... Ah, t'as commandé avant? Non, j'ai pas commandé avant du tout. T'as la possibilité, mais là, je suis passée au drive. Oui, s'il te plaît. De retour à la maison, parce que dans 10 minutes, c'est ma formation qui commence pour notamment bien gérer tout mon site. Et expérience... Plutôt cool, hein. Ils ont vraiment aimé. Je pensais pas à ce point-là. Alors, on est d'accord. Hein. Maman qui me dit, oh, puis ça semble pas très gras. Un petit peu quand même, les croquettes, là. Et à chaque fois que je vais chez elle, elle me dit, tu veux pas ça? Donc, c'est le clair. Hein. Elle m'a donné de la feta, un sachet comme ça, et j'ai eu le droit
Ah, regardez, ça tarte. Regardez-moi ça. Oh, ça me donne envie, les petites asperges et tout ça. Je vais réchauffer ce soir. Je me suis rendu compte, même si c'est pas bien important. Je vous avais pas montré hier le vernis. Alors le problème, c'est qu'il est très joli, mais je ne tiens pas le vernis. Il se ternit très vite, mais bon. Vu que derrière, il faut que je fasse ma formation surtout. Et après, il faut que je monte ce vlog. Je vais terminer maintenant et surtout, vraiment, je tenais à vous remercier d'être de plus en plus nombreux, toujours autant fidèles, à me suivre un petit peu partout. Ça fait super plaisir. Je vais essayer de garder ce rythme de vlog. Voilà, s'il y a des trucs sympas à vous montrer, eh bien je filmerai. Je vous fais un gros bisou et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao.